Oh là là, on peut savoir pourquoi tu te mets ça? Pour éviter les microbes, on est en pleine période de gastro, moi je prends pas de risque. T'es taré. Non mais elle a raison, hein. Les gens se demandent pourquoi ils tombent malades, mais ils font pas attention à ce qu'ils mangent et ce qu'ils touchent. Ce qu'ils mangent? Oui, j'ai lu sur internet que si tu mangeais une certaine variété de bananes de l'Est, tu pouvais tomber hyper malade. Genre quoi comme maladie? Bah des maladies de peau par exemple. Ah ouais? Bah non, c'est faux toutes ces infos qui viennent d'internet, hein, tout le monde le sait. Mais non, j'ai vu sur un site, il y a même des témoignages, c'est ultra sérieux, tu pourrais aller voir. Bah ok, j'irai voir. Moi les gars, je dis mangez bio, au moins on prend pas le risque. Oh mais tu nous saoules avec ton bio, c'est tout le temps après ce genre de phrase qu'elle va nous sortir. Ouais, le ventre c'est le nouveau cerveau. Vous verrez quand vous aurez tous des problèmes avec vos trucs chimiques. Allez, salut. T'as vu sur ce site? Dessus ils disent que si tu tousses en te couvrant le visage, les bactéries rebondissent et du coup quand tu fais la bise, tu contamines les autres. C'est ouf, non? C'est ouf, mais complètement dégueu. Quoi? Les cotons-tiges refilent le cancer? Ah ouais? Et les carottes râpées aussi, est-ce qu'il paraît? Apparemment, si t'avales ta salive et que t'es malade, t'avales aussi tes propres microbes. Ce site est ouf, faut que je le partage. C'est qui les tarés maintenant ?